Aujourd'hui, une vidéo qui va nous faire voir les messages de la pleine lune du 17 octobre pour vous, amis taureaux, que vous soyez taureaux de par votre signe solaire, lunaire, ascendant ou descendant. Vous êtes tous les bienvenus et on va commencer tout de suite comme ça, tout de go. On va aller voir qu'est-ce que cette pleine lune du 17 octobre veut vous apporter comme message. Oh, il y a de l'adversité, des adversaires, de l'adversité, peut-être de la compétition, de la concurrence. On vous parle aussi de la carte de Delta avec ce magnifique triangle qui, pour moi, me parle d'unité. Dans le triangle, il y a l'unité. Des révélations, de voir mieux, de voir plus clair ce qui se passe autour de vous. Quelque chose d'important avec la notion de l'éternité. Et au dos de deck, on a la carte de l'oméga. Eh bien, c'est pas rien, les amis, je vous le dis. Les adversaires, ben oui, hein, ça peut être des rivaux, des rivales, ça peut être des difficultés, des problèmes, une lutte, on doit lutter contre des concurrents. Il y a vraiment une notion de concurrence, de compétition par rapport peut-être à vous-même, par rapport avec le Delta ici, l'unité, la Trinité. Qui nous parle ben, de la clairvoyance. Donc, c'est comme si il y avait un manque de confiance entre, par rapport à vos visions, par rapport à vos intuitions. Puis, je dis vos visions parce que ça vous vient peut-être dans votre cas sous forme d'image plutôt que sous forme de ressenti. Et pourtant, c'est ce qui vous permettrait de vous stabiliser. D'avoir une forme de sûreté, de sécurité à long terme pour pouvoir solutionner d'ailleurs les conflits dans votre vie, d'avoir un dépassement par rapport à vos contradictions intérieures. Pour vous permettre, hein, l'Oméga, la 57, c'est la dernière carte du jeu en passant. Donc, c'est un aboutissement, c'est un achèvement, c'est vraiment, il y a une finalité. Moi, je pense que vous allez apprendre tranquillement, parce que l'adversaire, c'est pas probablement vous. Vous êtes votre propre adversaire à ne pas croire ou apporter plus d'intérêt, d'importance à vos visions ou à votre vision du futur pour vous-même ou même pour le monde. Pourquoi pas? Qui va vous amener beaucoup plus de stabilité, d'équilibre. Et de vous sentir sûr. De dépasser hein, vraiment vos contradictions, vos non, peut-être vos non-croyances, parce que vous êtes quand même protégé. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment de l'adversité envers vous-même. Vous êtes votre propre adversaire. Mais vous n'avez rien à craindre parce que vous êtes en train d'attirer de la chance vers vous. Plus d'abondance. Hein? Laissez le négatif derrière vous avec la main. Ici, oh, je viens de perdre le nom. J'allais vous le dire, puis ça le parti. La main de Fatima, je crois, si je ne me trompe pas. Puis on retrouve l'œil encore. Voyez-vous, c'est comme si on vous disait d'avoir plus de souplesse envers vous-même. Vous êtes comme trop rigide, vous manquez de flexibilité. Vous manquez d'adaptation par rapport à vos visions, parce que c'est comme si vous n'y croyez pas. Il y a un projet en gestation que peut-être que vous laissez de côté, que vous ne permettez pas de le mettre en marche. Et pourtant, il veut se matérialiser, il veut sortir de l'ombre. Et vous aussi, vous devez sortir de l'ombre, accepter les invitations. Acceptez ce qu'on peut vous proposer comme sortie pour aller vous amuser, pour aller vous ressourcer, pour avoir de nouvelles perspectives dans votre vie amoureuse, professionnelle, peu importe. Mais vous ouvrir à autre chose, j'ai le sentiment.
On va aller voir plus loin avec le tarot. Qu'est-ce qu'il veut vous apporter concernant... Quels sont les messages concernant cette lune du 17 octobre? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Le page de bâton, voyez-vous, pour moi, le page de bâton, c'est de vous ouvrir à vous-même dans ce cas-ci, à vous ouvrir à vous-même, à vous ouvrir à vos nouvelles idées, de croire en vous, parce que c'est ça qui va vous amener sur un chemin où vous allez être beaucoup plus dynamique, optimisme, plus de vitalité, plus d'envie d'avancer, hein? Comme ce chat qui regarde son maître en lui disant, ben, qu'est-ce que tu attends pour me suivre sur le chemin, là? C'est ça. De changer de direction, hein? Comme si ici le personnage voulait s'en aller vers la gauche, mais ça serait le passé. Et le chat qui l'amène, qui veut lui dire, suis-moi. Viens, on va prendre un autre chemin vers un avenir plus lumineux. Ben oui, le 10 de Pentacle, je parlais de sécurité, mais ça va vous apporter plus de sécurité financière. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment là où vous êtes en sécurité financièrement parlant. Ben oui, on sent sécurité, on a même un petit coussin pour voir venir les imprévus de la vie. C'est sûr que ça crée plus de bonheur familial, plus d'harmonie, parce que le souci financier, il s'en va. Encore la notion de bénédiction, de protection avec le pape, qui va vous aider aussi. Il y a de l'inspiration qui va arriver. Il y a quelque chose qui va débloquer. Et peut-être en partie à partir de cette invitation à accepter. L'inspiration pour quelque chose de nouveau, vous allez enfin décider de vous mettre en route. Ça vous amène beaucoup plus de sécurité financière. Et ça vous... il y a une maîtrise de soi. Vous allez prendre la maîtrise de vous-même et d'adapter, de planifier ce nouveau projet qui vient vers vous. En vous ouvrant davantage à votre cœur, à ce que votre cœur veut. Ici, on a le page de bâton. Le bâton, c'est la passion, c'est le feu, c'est la vitalité. Les coupes, c'est l'émotion, c'est les sentiments, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qu'on aime. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, incessamment, autour de cette pleine lune du mois d'octobre à la mi-octobre. Quel autre message qu'elle a? Ben oui, c'est un as de coupe. Donc, il y a vraiment un nouveau départ de quelque chose qui va vous impacter émotionnellement parlant, qui va être important pour vous de le matérialiser, de le mettre dans la matière. Il y a quelque chose, en tout cas, d'inspirant qui vous donne envie, qui vous tient à cœur et pour lequel vous allez y mettre du cœur. Oui, parce que vous sortez de quelque chose qui vous a blessé, pour lequel vous avez mis beaucoup, beaucoup d'énergie, puis qu'en bout de ligne, vous vous rendez compte que ça ne donne plus rien. Donc, vous allez quitter ça, cette situation-là, pour aller plus vers cet as de coupe, un nouveau départ. Il y a une compréhension qui va se faire, on le voyait, une compréhension à l'intérieur de vous. Vous allez mettre en lumière quelque chose. Parce qu'avec le Oméga, il y a une révélation, puis il y a un aboutissement aussi. Il y a une nouvelle idée qui va survenir, qui va vous demander d'être beaucoup plus souple, d'être moins rigide. Parce qu'on a aussi l'idée ici avec la conception du projet. Il y a un projet que vous avez en gestation à l'intérieur de vous, qui demande à sortir de l'ombre. Mais c'est ça, la lune aussi. C'est l'ombre. Mais vous allez le mettre en lumière. Vous avez envie de plus en plus de le faire. Oui, parce que vous voulez quitter la lourdeur de votre vie actuelle. Vous avez plus envie de célébrer, de vous amuser, mais de le faire avec joie. De faire quelque chose avec joie, avec bonheur, avec envie. Hein, qu'on n'a pas besoin de regarder les heures, qu'on n'a pas besoin de regarder le temps. On est
tellement pris tout notre temps, toute notre énergie, il est pris par cette activité-là ou ce nouveau projet. Mais ça nous met dans la joie. Et oui, puis vous allez bientôt, la récolte de tout ce que vous allez mettre en œuvre ne sera pas si longue. On vous parle de patience, il faut quand même laisser mûrir les choses pour pouvoir les cueillir. C'est un peu ça, puis c'est pas toutes qui non plus qui mûrit à la même rapidité. Mais on a notre page de coupe ici qui revient, qui vous reparle de quelque chose qui va vous tenir à cœur, que vous allez avoir envie de matérialiser, mais pour lequel ça va être aussi un succès parce que vous allez le faire avec beaucoup plus d'envie. C'est comme si ça venait purifier votre cœur. Hein? Vous vous ouvrez à votre intuition enfin, même si avec la carte de Trinité, au départ, j'avais le sentiment que vous n'étiez pas ouvert. Mais il y a quelque chose autour de cette pleine lune qui va vous permettre de le faire, de suivre vos émotions, de suivre votre intuition, votre sensibilité. Qu'il y a quelque chose qui va naître de nouveau. Il y a comme un réveil qui se fait. Oui, une purification de votre cœur. On va aller voir avec le message de ton âme, qu'est-ce qu'on veut vous apporter de plus ici. Le conseil de votre âme pour vous, les taureaux. Juste ici. Ah, ben de prioriser. Autant vous-même, j'ai le sentiment que de vous prioriser, mais aussi de prioriser, de mettre les étapes pour un projet. Ici, on vous dit, tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Et déjà, de prioriser, d'inscrire vos tâches, un peu à la va-vite, comme elles viennent, puis ensuite vous les noterez pour mettre vos priorités. Ben après ça va vous libérer l'esprit pour pouvoir avancer. Vous allez faire comme ici l'empereur, vous allez mettre une structure, vous allez mettre les étapes de comment faire, vous allez avoir plus de discipline parce que vous allez maîtriser ce que vous avez envie finalement de matérialiser dans la matière parce que je sens vraiment que il y a probablement quelque chose que vous avez délaissé, mais tout vient de votre croyance qui, selon moi, va changer. Parce qu'il y a une protection sur vous. Il y a quelque chose autour de cette période de la pleine lune qui va attirer de la chance, que vous allez laisser votre négativité derrière vous, puis vous allez vous ouvrir à vos visions, à votre vision de la vie avec beaucoup plus de souplesse. Et c'est ça qui va vous permettre de concevoir quelque chose de nouveau, de stable, de pérenne, c'est quand même l'empereur, en suivant votre intuition, en suivant votre cœur pour sortir d'une certaine lourdeur, de quelque chose que vous aviez mis beaucoup d'énergie, qui était devenu lourd. Vous allez pouvoir tout porter ça à la lumière. Vous savez quoi, les taureaux? C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Si vous appréciez la façon que j'ai de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, ben vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas complètement de la description. Alors voilà ce que j'avais pour vous pour le message de la pleine lune du 17 octobre. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.